Ça va Mais là, la bataille entre eux. En fait, ce qui se passait, c'est quand Charles sortait des stands, Verstappen arrivait juste derrière avec des pneus qui étaient un peu plus chauds, qu'il avait déjà réchauffés. Donc, il arrivait à passer Charles, mais Charles était super technique où il le laissait. Il freinait assez tôt au premier virage. Entre guillemets, il laissait passer Max. Enfin, il défendait. Il Ouais, il se défendait. défendait, mais Tu le lais autrement. jamais, mais il aurait pu se battre un peu plus pour que. En fait, Max, quand il le dépassait, il finissait devant Charles à la zone de détection de DRS. Donc comme ça, en arrivant au quatrième virage, Charles, il avait le droit d'ouvrir son aileron, avoir D'accord. la DRS, C'est et ça que c'est j'ai pas pour ça compris, ouais. qu'il repassait devant. C'est ce qu'il expliquait, mais j'ai pas compris. Est-ce que c'est après la ligne, en fait, il peut se réutiliser Donc tu as après? une zone de détection où en fait, quand tu passes cette zone, donc il y a la zone de DRS où tu peux ouvrir ton aileron. Donc de la ligne Donc à la ouais, ligne. c'est dans les lignes droites en général, mais la zone de détection est avant ça. Donc ce que tu as envie de faire, c'est tu te dis, ok, moi il faut que je sois le gars derrière, idéalement, dans la zone de détection. Comme ça, Pour que, moi j'ai ouais. la DRS dans le prochain. Donc si le gars il va te dépasser après le virage, tu dis, bon, bah, s'il va me dépasser de toute manière, je le laisse passer limite juste un peu avant, parce que c'est là où il y a la détection. Bam, je prends ça et je le rechope dans la Et prochaine zone. ça dure que, enfin, à l'instant où c'est-à-dire que là, en gros, Charles, il a eu la DRS, il a fait le tour, et à partir de l'ouverture de la DRS, il peut l'utiliser, Ouais, c'est ça? voilà, exact. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut Donc, l'expliquer, parce que moi, c'est récent, donc je ne connaissais pas trop. Mais en gros, la DRS, en gros, c'est ça fait un l'aileron grand changement. qui, ouais, c'est l'aileron qui Ça, s'ouvre exact. et ça laisse passer l'air, d'accord. Ouais, ça laisse passer d'air, donc tu as moins Et d'appui puis. aérodynamique, donc une vitesse de pointe plus élevée. Et le changement là sur la vidéo, tu le vois, enfin quand tu regardes le Grand Prix, tu vois de suite la voiture qui part d'un coup, quoi. Quand Max venait de loin derrière et qu'il arrivait à plonger, après c'est tellement cool à quel point il est agressif, c'est super cool à voir. Mais c'était cool à voir hein, que la DRS avait toujours fait une différence et ça a l'air de. Les nouvelles voitures ont l'air de pouvoir se battre Entre elles, ouais. entre Ça, elles. je suis content parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait un vrai écart entre ben, Mercedes et Red Bull et les autres, bon, même si Ferrari était derrière, etc. Là, cette année, j'ai hâte de voir la suite parce que tu vois qu'il y a, en fait, tous les bons pilotes, ils vont vraiment se battre pour Ah avec oui. à peu près les mêmes voitures, entre guillemets. Hein, et ça, j'ai Il y a vraiment quand hâte de même une voir ça. Il y a différence, une mais différence, mais. c'est beaucoup plus Mais. imprévisible que ça l'était.